bannière de Bigorre, c'était une aventure. Comment la cantine à Bagnères? Par rapport à Argenteuil, c'est quoi? Bah c'est mangeable quoi déjà, une. Et ensuite voilà, c'est un resto. Un resto. Mais équilibré hein. C'est toi qu'on recherche, c'est toi le meurtrier. Mon Dieu! Bill, tu me déçois. Pourquoi je te déçois, Bill? J'ai les boules, Bill. Je te fais rire, boule. Tu me connais pas? Si, tu es boule. Eh bien, boule, pourquoi je te déçois? Alors nous allons remettre le prix des festivaliers et le troisième prix pour le même film. Le troisième prix est attribué à un film qui implique le spectateur de manière remarquable. Il nous a piégés au départ, nous a menés tout le long et nous a vraiment beaucoup fait rire. Le film est La vie de Meghan.
préparé, le jury a préparé un petit papier pour ce deuxième prix. Je voudrais juste souligner le plaisir particulier qu'a pris le jury à être au sens littéral embarqué dans ce que l'on pourrait appeler les méandres de la conscience et de l'altérité. Jean-Paul Sartre affirmait « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même ». Je crois bien que ce film a né une illustration tout à fait différente. Ajoutons une esthétique baroque, une originalité de ton et un réel souci symbolique, et nous aurons fait, je crois, le tour de ce qui a véritablement conquis le jury. En conséquence, nous avons attribué le deuxième prix au film intitulé « Edgar, l'homme qui était invisible », présenté par l'Institut de Lola. Voilà, c'est le dernier, c'est le premier prix. Je vais essayer de faire court. On a tous, dans le jury, été très touchés par la sensibilité, la force de ce film, qui est... bon, je reste sans voix. Donc, le premier prix est attribué à Sans Elle. Polyvalent des Saint-Romain-en-Garde. Je suis comme vous, je suis fan, je suis de la chouette.